J'ai 10 tronçonneuses. Une tronçonneuse est estimée à 1 200 000 actuel. Moi, j'avais acheté les tronçonneuses à 900 000. Imaginez. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important. Avant d'être dans une perte positive, il faut d'abord savoir choisir le gars avec qui nous allons travailler. Si tu travailles avec un ouvrier qui ne se sent pas dans le projet, il va te détruire. Il va te détruire. Non, parce qu'on a un séminaire, c'est pour ça que je... C'est parce qu'on a un séminaire, c'est pour ça que je profite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que non, Amen, le matin, fais non, tout. Il va te détruire. Parce qu'il n'est pas le projet. Il participe et il peut être éjecté. Vous voulez investir en Afrique? Démontrez-leur par A plus B que le projet ne t'intéresse pas toi, mais le projet c'est à eux. Les règles de base pour investir en Afrique, et je vous le dis toujours, si tu n'as pas le courage de mettre ton père ou ta mère ou tes amis en prison, je te déconseille d'investir en Afrique. Je te déconseille d'investir en Afrique. C'est important. C'est important. Beaucoup de personnes vont vous dire que non, on a telle ou telle société, on a telle ou telle société, on a telle ou telle société. C'est des conneries. Je vous parle en tant qu'investisseur, en tant qu'agriculteur taux plein. Je vous parle de la réalité. Je vous parle de ce que les autres ne peuvent pas vous parler parce qu'ils ont tellement honte. Nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent et nous nous battons pour ne pas en perdre. Parce que ceux qui gagnent ne parlent pas. Ceux qui gagnent ne parlent pas. Ça fait 3 ans que je suis revenu. Mais mes champs ne font qu'augmenter. Si vous demandez à ma mère, quand même, tu as 30 hectares de plantain, oui, ça te rapporte combien? Non. Quand je fais les calculs, mes 30 hectares me font perdre 900 euros par mois. Mes 30 hectares de plantain me font perdre 900 euros par mois. 900 euros dans les extras. Il faut payer la télé, faut payer l'électricité, parce que je n'ai pas encore. Les panneaux solaires ne sont pas encore arrivés. Il faut payer tout ça. Ça, mes frères. Mais ce sont des bonnes pertes. Parce qu'au lieu de perdre 30 hectares, je peux faire perdre 900 euros par mois. Je peux faire perdre 900 euros par mois. Pendant les hors-saisons. Une fois que les saisons arrivent, j'équilibre. Une fois que la saison arrive, j'équilibre. Mais résultat, les 30 hectares de bananes plantain d'Amer-Camer apportent Amer-Camer zéro. Mais vous allez me voir brasser de l'argent, mais sauf que c'est du brassage. Je fais tout pour maintenir le niveau zéro parce que je ne suis pas là. J'aurais été là. Je peux vous garantir que ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Deux fois, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'Africains qui ont investi des business en Afrique veulent le même résultat quand ils ne sont pas là. Tu ne peux pas avoir le même résultat quand tu n'es pas là. Tu ne peux pas. Parce que avec la mentalité africaine que nous avons là, je te garantis que tu ne peux pas avoir le même résultat. Donc, voilà pourquoi je dis toujours et je vous dis toujours, ayez des mentors qui ont du vécu. Ayez des mentors qui ont un savoir-faire. Ayez des mentors qui ont fait, on a vu. Mais quand vous avez quelqu'un, comme ma mère, Kamer, qui vient vous faire une masterclass le matin, profitez pour poser toutes les questions en ce qui le concerne. Je disais encore ceci l'autre jour à quelqu'un. Je disais encore à quelqu'un l'autre jour. J'ai un ami qui m'appelle, il me dit. On commence à 9 h. Donc, du coup, passer à beaucoup de sécurité ici. J'ai un ami qui me disait la dernière fois, Amer Kamer, il y a ma mère qui m'a appelé, elle veut que mon petit frère, elle veut que je fasse un business pour mon petit frère. J'ai demandé à mon ami, tu envoies combien à ta famille par mois? Il me dit que j'envoie 300 euros à ma famille tous les mois. Je lui dis, est-ce que tu veux un conseil? Il me dit que oui. Je lui ai répondu ceci. Continue à envoyer 300 euros à ta famille tous les mois.
et vous serez en paix. Il me dit que non, je veux que mon petit frère fasse quelque chose. Je lui ai expliqué ceci. C'est toi qui veux que ton petit frère fasse quelque chose. Mais ton petit frère, lui, est-ce qu'il t'a dit qu'il veut faire quelque chose? Non. Si tu as ton petit frère qui se contente de manger parce que tu envoies l'argent, continue à envoyer l'argent et il mange, tu n'as pas de problème. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre 5 000 euros, tu vas investir sur ton petit frère. Une fois qu'il va foirer tout cet argent-là, tu ne parleras plus à ton petit frère, à ton père, à ta mère. N'investissez jamais sur des gens qui n'ont pas l'instinct de pouvoir s'en sortir dans la vie. N'investissez jamais sur les gens qui ne veulent pas s'en sortir. Si tu as ton petit frère qui ne veut pas s'en sortir et que tu as ton père qui te dit tous les jours, investis sur lui, investis sur lui, investis sur lui. Mon frère, prends l'argent là. Prends cet argent, amène tes enfants en vacances. Prends cet argent, mange l'argent là. La plupart des membres de la diaspora ont eu des problèmes parce qu'ils ont investi sur leur petit frère, sur leur petite sœur, et c'est devenu un problème familial. Donc, deux fois, quand vous parlez d'investissement, surtout quand vous parlez d'investissement en Afrique, arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Arrêtez de raconter de la merde aux gens. Si tu as ton petit frère en Afrique qui ne veut pas évoluer, si tu as ton petit frère en Afrique qui ne veut pas s'en sortir, laisse-le où il est. Continue à l'envoyer 50 euros par mois. Je peux te garantir que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle les pertes positives. Ça, c'est une véritable perte positive. Parce que ton petit frère, il te fait dépenser 50 euros par mois, ce n'est que 50 euros par mois. Si tu fais l'erreur d'investir sur lui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu verras que Amer Kamer, j'avais entendu Amer Kamer dire un matin, n'investissez jamais sur quelqu'un qui n'est pas conscient du fait qu'il doit prendre sa vie en main. Et de deux, des gens viennent souvent nous dire, oh, j'ai un projet. Des fois, tu as ton petit frère en Afrique qui vient te dire qu'il a un projet. Pourquoi tu as investi sur lui? Pourquoi tu as investi sur lui? Les services sociaux. Tu ne vas pas passer toute ta vie à investir sur les gens. Tu as aussi une famille. Mais, services sociaux. Je te parle avec la réalité que nous avons en Afrique. Quand tu es en Europe, oh, fais monter ton frère. Oh, fais monter ta soeur. Oh, fais monter un X, fais monter un Y. Quand tu es en Europe, on te demande toujours d'investir sur quelqu'un. Toujours. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Si tu as ton petit frère qui est laveur de voiture, tu regardes ton petit frère comme ça. Ça fait, depuis que tu es en Europe, ton petit frère là ne te demande jamais l'argent. Il est laveur de voiture. Tu as ton frère qui a son petit commerce au marché central. Depuis que tu es en Europe, il ne te demande jamais l'argent. Investis sur lui. Investis sur lui. Tu as ton petit frère qui est laveur de voiture. Investis dans la laverie. Arrive au pays, tu regardes le petit. Tu dis que si je t'ouvre une laverie, est-ce que tu peux gérer? Pourquoi? Parce qu'avant toi, il vit. Avant toi, il vivait. Avec ou sans toi, il vit. Sauf que là, il avait une 2 chevaux. Là, maintenant, tu l'apportes une 10 chevaux. Et crois-moi, il va faire de tes 10 chevaux là 20 chevaux. Investissez toujours sur des valeurs sûres. Parce que nous avons les membres de nos familles. Je suis un homme de principe, je te donne, tu dilapides, je ne te gère plus. Non! Oui, je te comprends, services sociaux. Je te comprends. Tu es un homme de service, tu es un homme de principe. Ta mère t'a envoyé à l'école parce que la sœur de ta mère lui avait donné 10 francs. Ton père t'a envoyé à l'école
Parce que le frère de ton père, à un moment donné, lui avait donné 50 francs pour compléter ta pension. L'Afrique évolue dans un milieu qu'on appelle l'assistanat réciproque. Je m'en vais cuisiner. Si elle n'a pas le sel, je ne vais pas me prendre la tête que je n'ai pas le sel. Je sais que non, service social a le sel chez lui. Je m'en vais prendre le sel chez lui. Quand service social, à son tour, va vouloir frire l'œuf, il n'a pas l'huile. Il va se rappeler que quand il venait chez moi, il avait vu l'huile. Il va venir prendre l'huile. L'Afrique fonctionne avec un système d'assistanat réciproque. Beaucoup parmi nous sont partis à l'école avec l'argent des oncles, avec l'argent des cousins, avec l'argent des ouvriers. Raison pour laquelle, quand nous réussissons, nous sommes dans l'obligation de continuer dans ce système d'assistanat réciproque. Ou quand ta mère ou ton père te dit que aide ton petit frère, tu te retrouves de fois dans l'obligation de l'aider. C'est ça la réalité africaine. Parce que si tu n'aides pas ton frère ou ton petit frère, tu entres en guerre avec ta mère et ton père, avec ton oncle et ta tante. Tu entres en guerre avec ces gens-là. Le but, ce n'est pas d'entrer en guerre. Le but, c'est de conclure, de créer l'atmosphère où tout le monde peut trouver son compte. Tout simplement. Mais, comme je tenais à vous le dire, si vous avez un frère qui n'a pas l'intention de s'en sortir dans la vie et qui se contente des Western Union que vous envoyez à vos parents, je vous jure, n'investissez pas sur lui. Si tu as ton frère qui a fait les enfants dans la maison familiale, c'est la plus grosse erreur pour un homme. C'est toi qui n'as pas de travail, c'est toi qui as une copine, et comme ça ne te suffit pas, tu es inconscient du fait que je ne peux pas construire la maison dans la maison. Tu prends un frère, tu prends une copine, parce qu'il y en a qui font pire. N'investissez pas sur ces gens-là, parce qu'ils vous montrent déjà qu'ils ne sont pas prêts. Tu as ton grand frère, toi tu es en Europe, tu te bats, tu as un agent de sécurité, tu te bats comme tu peux te battre. Ton grand frère vient avec une famille, ils habitent dans la maison familiale. Et il se contente de 300 euros que tu envoies à ta famille pour que lui mange aussi. Tu veux investir quoi sur lui? Parce que la plupart des gars qui font ça, vous allez voir, ce sont des gars qui ont Bac plus 5, ce sont des gars qui ont Bac plus 6, qui ont Bac plus 7. La plupart de tous ces gars qui font ça, ce sont les gars en général qui ont Bac plus 2, Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7. Lui se dit que comme il est beaucoup allé à l'école, lui n'a rien, il n'a pas le droit d'aller faire autre chose. C'est important. N'investissez pas sur ce genre de personnes. Comment tu peux investir sur ton grand frère? Il n'a pas le travail, mais il a la copine. Il n'a pas le travail, mais il a l'enfant. Tu investis pour lui comment? Il a tous les clignotants d'un escroc. Il a tous les clignotants d'un escroc. Et quand tu as investi 2 millions sur lui, mais la mère de son enfant va lui rappeler que, mais dis donc, depuis 3 ans que toi et moi on a fait un enfant, tu n'as jamais rien payé. Donc dans les 2 millions que ton frère t'a envoyé, j'espère même que j'aurai ma part là-dedans, rien que pour ton fils. Parce que c'est quand l'argent arrive dans ton compte, c'est quand ton frère reçoit le Western Union que sa copine lui dit, la mère de son enfant lui dit, écoute, tu n'as jamais rien payé depuis que ma fille, elle est là. Alors participe maintenant. Dans les 2 millions que tu as envoyés, il enlève 500 000, il donne à la mère de son enfant. Vous avez fait un projet sur 2 millions. Le projet de 2 millions n'est plus le projet de 1,5 million. Est-ce que vous comprenez comment le système marche? Le projet de 2 millions n'est plus le projet de 5 millions. Non. Le projet de 4 millions n'est plus le projet de 8 millions. Parce que quand tu veux investir sur quelqu'un, regarde d'abord son état d'esprit, sa mentalité. Regarde d'abord, est-ce que ça va coopérer? Est-ce que ça va matcher? Non. On n'investit pas sur quelqu'un qui a toujours dans sa tête de rester dans la case familiale. Jamais. N'investissez jamais sur ce genre de personne. Parce que ces gars, ce sont des maudits. Ce sont des enfants maudits. Maudits pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir ton grand frère ou ton petit frère. Il a 30 ans. Il habite avec sa femme dans la même maison. Son enfant dans la même maison. C'est quand ton père prend son argent de retraite que lui aussi mange. Mais c'est le champion du monde qui a déposé les dossiers partout. Et quand tu vas vouloir lui parler, il va te dire que non, j'ai déposé mes dossiers.
quand il va vouloir te parler, il va te dire que non, j'ai déposé mes dossiers quelque part. On ne me prend pas. J'ai déposé mes dossiers là-bas. On ne m'a pas pris. Parce que lui, il a choisi le fait que, comme il a une licence, comme il a une maîtrise, lui ne peut pas vendre l'eau glacée. Lui ne peut pas aller faire les poulets au marché. Il ne peut pas briser les chèvres au marché. Lui ne peut pas faire ça. Parce qu'il s'est dit que moi, ou c'est Mbeng, ou c'est les gros dossiers. On n'investit pas sur ce genre de personnes. On n'investit pas sur ce genre de personnes. Pourquoi on n'investit pas sur ce genre de personnes? Parce qu'il n'a pas la mentalité à pouvoir s'adapter en fonction des situations réelles.